Et bonjour à tous, ici BJ de retour une nouvelle fois pour tester un jeu indépendant qui est sorti. Alors, il n'est pas tout récent, il est sorti l'an dernier sur Switch et PC, mais il vient de sortir le 19 mars sur PlayStation 4. Et je me suis dit, maintenant que je fais ce genre de vidéo, autant refaire découvrir ce jeu qui est apparemment, parce que je ne l'ai pas fait, une petite perle. Je suis passé à côté et je vais profiter de le découvrir avec vous. Il s'agit de Messenger, qui est un jeu qui surfe un peu sur la vibe des platformers action. Je sais pas si ça va être un petit peu un Metroidvania. C'est un jeu qui a décidé d'adopter une technique graphique et sonore complètement 8 bits des années 80, chiptune, etc., pixel art, qui lui va très très bien, qui a du succès. Et c'est normal parce que non seulement il y a la fibre nostalgique qui joue, mais c'est toujours très efficace pour les jeux en 2D. Donc voilà, je vais commencer tout de suite la découverte de The Messenger pour vous. Alors tout simplement jouer, hein. Je pense que ça va être très simple, hein. Ça va être un jeu où on va avancer, sauter, nouvelle partie, bien entendu. Quel est mon nom? BJ mec. Alterner entre majuscule et minuscule. Vous voyez, le petit truc pour attendre juste en bas. Entendez-moi ce son et ces cinématiques dignes du 21e siècle. Coucher de soleil. Soleil très orange, je bouge pas pour l'instant. Voilà, je suis une sorte de shinobi, un ninja. Un jour de plus au village et toujours aucun signe du héros de l'Ouest. Il n'existe pas, c'est un conte pour enfants, parce qu'apparemment on est dans un monde qui a été pris par les démons et il y a un héros annonciateur. Bon, il a été annoncé un élu qui va sauver tout le monde et qui vient de l'Ouest. Mais comme lui, je pense qu'il est asiatique, il se dit ça va être un américain, un cowboy ou je sais pas. Comme toutes les prophéties qu'il nous oblige à apprendre, je veux de l'action, moi, de l'entraînement. Je pense que ça va être lui au final, et il va apprendre qu'il a du sang de cow-boy et qu'en fait il vient de l'Ouest. J'en peux plus de leurs histoires d'armées démoniaques et de parchemins magiques, ça fait des siècles qu'il ne s'est rien passé, alors pourquoi rester caché ici? Le village, je le connais par cœur. C'est le monde que je veux explorer. Oh, mon doigt, il vient d'où lui? Il est caché là. Tout le monde en rend pour la leçon d'histoire! Et voilà, encore une leçon. Bon, j'arrive, je peux pas sécher à chaque fois. Bon, apparemment, c'est un jeune qui sèche. Alors, je saute assez haut en faisant une roulade magnifique en l'air, j'ai pas encore de double saut, je frappe comme ça. Si je me baisse, ça fonctionne. Je peux pas taper vers le haut et j'ai pas d'autres touches, je peux pas sprinter, j'ai cette vitesse qui m'est allouée. Je vais juste tester, hein. C'est pas que je. Voilà, on va voir, je vais mourir. Ah, maintenant il y a un mur invisible, je me suis dit que j'allais mourir dans. Que j'allais mourir dans l'eau, mais. Regardez, la parallaxe, il y a que le décor, non c'est pas vraiment ça la parallaxe. Il y a le décor qui bouge mais pas le fond. Et voilà, bien sûr, est-ce que je le défonce? Non, c'est juste un mannequin d'entraînement. Viens boire du thé dans cette maison, non? Il n'y a rien qui... Non, c'est pour le décor. Elle n'existe pas. Alors on est en cours. Pourquoi je suis le seul à avoir une tenue qui n'est pas de la même couleur? Pour me distinguer, je suis... Juste à temps pour le cours du jour, montre-nous ta technique du saut du nuage, du temps de frappe, saute! Ah! Donc on va voir, c'est pas vraiment un double saut, mais on va pouvoir, je pense, faire un saut étendu en tapant. Ok. Pff, magnifique. Est-ce que j'ai sauté contre le mur? Non. C'est vraiment au moment où tu tapes que tu as droit à un deuxième saut. Ça fait effet de didacticiel, très bien fichu. Écoutez-moi cette musique. Oh, on le multiplie. Génial. Et c'est pas ultra évident parce qu'il faut pas juste taper sur la touche quand on arrive sur le point, parce que d'autres jeux ont déjà utilisé cette technique, il faut taper puis toucher sur le saut. Ah, voilà le maître. Eh bien regardez qui daigne nous faire l'honneur de ta présence. Ouais, c'est bon. As-tu au moins lu le manuscrit cette fois? Toujours des rebelles. À quoi ça sert? De toute façon, tout ce qu'on fait, c'est rester à y cacher. Je suis le seul qui fait pas le hus. Tu as tort de négliger les entraînements de nos ancêtres. Crois-moi, la menace de l'armée démoniaque est bien réelle. Et si elle Elle va revenir maintenant, j'en suis sûr. Le monde bouge, la terre... Oh, les météores. Oh là là, tout a pris feu en un coup. Les démons sont de retour. Là, le maître, là, il est accroupi en train de dans un vrai shonen, manga. Il serait là en train de dire « Poussez-vous, mes élèves !» Et là, il se transformerait, il ferait 2 mètres, pff, avec plein de muscles. Mais non, lui, il tremble par terre. Le héros de l'Ouest devait nous sauver. Qu'est-ce qui se passe? Attention! Voilà, tous les élèves sont morts, il n'y a plus que moi, bien entendu. Allez, on avance. Pour parler aux gars, faut appuyer vers le haut. Ne pars pas, tu n'es pas prêt! Mais si, je suis prêt. Oh, ah oui, non, tu me mets direct face à ça. Regardez-moi ce repère d'humain. Il est temps de les soumettre définitivement. Il y a des sortes de coupas de feu là-bas, démoniaques. Pas si vite, mon gros.
Quoi? Toi, c'était dans les CM, ouais, comme ça. Ouais, je traduis un peu comme je veux. Ils espèrent que ce Vermisso va les sauver. Je suis sûr que lui, c'est le boss de fin. Il va partir en étant certain que ces tortues vont m'avoir. C'est pitoyable. Prépare-toi à mourir. J'ai entendu un aigle. Ce cri impossible! C'est œil de faucon. Ok. Ah, ça me fait penser à Megaman X où c'est un autre héros plus fort que nous qui arrive. La chance est avec toi aujourd'hui. Barmatazel! Oh, il fait apparaître un démon à double lame. Ouais, mon roi. Je te charge de nous débarrasser de ce vermisseau. Pas besoin, mon roi. Tu ne peux rien pour attendre, Linda, désolé, il y a beaucoup de dialogues, hein, c'est normal au début du jeu. Mes sujets ne feront qu'une bouchée de toi dans les collines automnales. Merci, comment t'appelles-tu? Je m'appelle John Wick. Alors c'est vous le héros de l'Ouest? Ouais, c'est moi, je suis le héros de l'Ouest. C'est marqué sur mon passeport. Quand je suis né, ma mère et mon père m'ont dit « Monsieur et Madame de l'Ouest, vous appelez votre fils héros ?» Mais je ne suis pas encore sûr de mériter ce nom. J'en ai 35. Comme tu t'es distingué aujourd'hui, je vais te confier une tâche de la plus haute importance. Je vais aller au café pendant que t'essayes de sauver le monde à ma place. Prends ce parchemin et mets-toi en route. Tu dois la porter jusqu'au sommet du pic glacial, où t'attendent 3 sages. Mais qui êtes-vous vraiment? Et qu'est-ce qu'il a de si important, ce parchemin? Tu trouveras les réponses à tes questions au cours de ton périple. À toi jusqu'à la porte du village. L'obscurité de la nuit sera ta seule protection pour sortir vivant de ces collines. Est-ce qu'il va y avoir de l'infiltration? Bonne chance, messager. Messenger. Bien vu. Vous avez été choisi comme messager. Votre mission est de porter ce parchemin à travers ce monde maudit. On bouge avec la poste. Parchemin, parchemin. Ouais, bah fais-moi passer, merci. On va vraiment commencer le jeu là. Ouh, qu'est-ce que c'est que ces couleurs qui changent comme ça? La nuit est arrivée, d'accord. C'était le soleil qui finissait de se coucher et avec le feu qui s'est éteint, je pense. Collines automnales! Oh putain, je vais monter une boîte de nuit, il y aura des musiques comme ça. Salut, tu viens souvent ici? Un haut à droite, je sais pas ce que c'est comme signe. Une flamme, une vie, peut-être, je sais pas. Bon, j'ai raté mon saut. Bon, et eux, comment ils se battent? Comme ça, normal. J'ai 15 flammes, ça y est, j'ai gagné le jeu. À quoi ça sert? Je vais échanger ça contre quoi? Vu le nombre qu'il y en a, c'est certainement quelque chose qui va servir de monnaie d'échange. Wow! Prends pour un con. Oh, on peut casser les murs. Tiens, je veux tout péter, moi. Ouais, de dos ça marche aussi, je me suis dit que la carapace peut-être qu'on pourra pas l'avoir de dos. Voilà, on appuie en bas avec le bouton de saut, ça nous fait traverser, il n'y a rien que du classique. Alors lui, j'ai bien compris son pattern, il a 2 boules de feu, après je pourrais y aller normalement avant qu'il en refasse. La fameuse plateforme qui bouge, pour l'instant ils nous mettent le classique. Ça répond très bien, ça bouge très bien. Ah, j'en ai raté un. Refaites-moi monter s'il vous plaît. Bonjour, je suis le marchand, il y a peu de clients ici. Ouh, sol magique, regardez-moi ça. Appelez un expert du carrelage. Carrelage magique. Ah, mais ça y est, je t'attendais pas aussitôt. Je suis où là? Actor Studio. Dans la boutique. Ça ressemble pas à une boutique. Si lui, le mec habite au village, le jeune, il connaît pas cette boutique, le mec doit avoir 0 client quoi. Et moi, je ressemble à un boutiquier? Je suis le guide spirituel qui te soutiendra tout au long de sa quête pour sauver le monde. Tu as une tâche à accomplir et une seule. Apporter ce parchemin au, je sais, au sommet d'une montagne. 3 sages appartenant au même ordre. Pourquoi ils viennent pas vers moi, les sages salauds? Quel ordre? Trop d'infos à la fois, là, et trop de textes pour une seule boîte de dialogue. Dirige-toi vers l'est et ramasse tous les éclats temporels. Ce sont des éclats temporels, je crois. Je ne pourrais pas améliorer tes capacités. Sans ça, voilà, bon, c'est ça. Je pourrais pas améliorer tes capacités et tes accessoires. Pour un débutant, le premier est gratuit. Vous avez reçu les griffes de grimpeur. Appuyez-vous contre les murs lorsque vous êtes en l'air pour vous y accrocher. Est-ce qu'ils veulent juste parler des rebords ou est-ce que ça permet de glisser tout doucement? Besoin de quelque chose? Allez améliorer.
petit arbre de talent, années 80, non ça n'existait pas à l'époque, pas trop. Alors là c'est de la santé plus 1. Là ça va être de l'attaque, c'est rouge. Attaque à distance, consommez une charge de votre ki pour lancer un shuriken énergétique. Et attaque au corps à corps. Attaquez les projectiles ennemis. On peut les détruire. Et même effectuer un saut du nuage sur eux. On va dire que pour l'instant la vie c'est pas trop mon problème. Je vais prendre ça. Quoique là, y a un double... Ça va être quoi les prochains? Oh, les ennemis vaincus laissent tomber un globe qui rend un cristal de santé. Bon, bah alors je pense que je vais faire ça parce qu'il m'a l'air super bien celui-là. Et le deuxième du shuriken, c'est les ennemis vaincus laissent tomber un cristal de santé. Je vais prendre le truc à distance. C'est bon, je l'ai. Mais, ou alors je l'ai déjà, c'est ça? Comment je l'attaque ton truc? Comment je le prends ton truc? Comment je l'améliore? Vous entendez comme moi? Ah, il me faut 50, mais il m'a dit le premier est gratuit. Ah, il m'oblige à prendre soit suite droite, soit suite gauche. Le rouge, c'est pas parce que c'est un truc d'attaque, mais parce que je peux pas le prendre, bien entendu. Le seul que j'avais choisi. Ok. Donc maintenant, j'ai un point de vie en plus, c'est de la merde. Besoin de quelque chose? Discutez. De quoi tu veux? Non, c'est bon, ça va, merci. Ok, est-ce que je peux toucher quelque chose dans ta... Yes, un placard. Merci de pas toucher à l'armoire. Il doit y avoir ces strings à l'intérieur. Pourquoi tu me proposes de toucher à l'armoire si je peux pas y toucher, salaud? Ah, et donc maintenant je peux... Et voilà. Est-ce que je peux descendre ou monter? Génial. Donc je récupère ceux que j'avais pas pris la dernière fois. Ça me paraît étrange cet endroit-là. Non, d'accord. Oh, c'est trop bien. Voilà le piège de base. Ouais, on peut les tuer ces trucs là. Salaud. J'y vais doucement, hein, j'ai pas envie de prendre de risques. Oh, la musique elle est terrible. Non, premier point de vie perdu, j'y suis allé à l'impatience. Oh, ils réapparaissent, vous avez vu en bas dès qu'on sort de l'écran, truc de fou. Et je me suis accroché sur le peu de corniche qu'il y avait. Et ça me redonne un point de vie. Donc là, on est en train de découvrir, c'est bien, toutes les... J'ai fait exprès d'avoir de perdre un point de vie pour que vous compreniez comment ça fonctionne, les gourdes vertes. Je suis pas en train de speedrunner, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ah, là, il faut se baisser, bien entendu. J'adore les animations de ces trucs-là. Oh merde, mince, pardon. J'ai oublié le lampadaire. C'est super important les cristaux là. Oh, qu'est-ce qu'il fait lui? Il balance des trucs de loin. Il est pas beaucoup plus puissant que les autres pour autant. Oh. Oh là là, c'est désynchronisé, terrible. Sauvegarde encore. Oh, c'est un point de sauvegarde, d'accord. Je croyais que ça allait être un ascenseur ou une connerie comme ça, mais non. Toi, t'as envie de me faire tomber dans l'eau. On va y aller, hein. Est-ce que j'ai... J'espère qu'il n'y a pas de... Ouais, ça se joue bien. Les niveaux dans l'eau, c'est toujours un peu compliqué. Là, il n'y a pas de notion d'oxygène et ça se bouge plutôt bien. Je peux pas attaquer, par contre. Ah, le courant va m'apporter plus vite à un endroit donné. Et vous avez vu la musique qu'on n'entend plus dans l'eau. C'est vraiment sympa de jouer à ces jeux-là, je pense, surtout quand on a... Quoi, j'ai perdu un point de vie pour ça, là? Surtout quand on a connu cette époque-là, c'est vraiment sympa. Oh, est-ce que je vais... Je suis obligé de partir par en bas. Parce que j'aurais pas été assez vite, sinon. Ouf. Trois coups, j'ai cru. Pourquoi je peux aller là-bas, en dessous? Aucune raison. Ils bougent pas beaucoup les ennemis quand même. Je vais pas m'en plaindre, pour l'instant je gère parce que c'est pas dur.
Oh, il jette que des boules de flamme en boucle, lui. Ah non, que 5. Lui, il courait comme un dératé, c'est le premier qui a vraiment envie de me tuer, quoi. Oh, bien wesh. Yes, sauvegarde. Je vais essayer de vous amener au moins à la fin du niveau pour la découverte. Oh, elle meurt pas du tout. Je vais le faire pour vous, je vais me sacrifier, je vais voir si elles me font perdre de la vie, très certainement. En tout cas, elle meurt pas. Et ça fait pas perdre de la vie. À quoi ça sert? Ah, je sais à quoi ça peut servir, je vais faire un essai. Est-ce qu'en les frappant, je peux ressauter par derrière? Génial. Ça va être des éléments de... Bon, j'ai pas besoin de la vie. Qu'est-ce que ça fait quand je la prends sans... Ça fait rien. J'ai pas vu ça me donnait de plus d'éclats de cristal pour autant. Pourquoi je suis tombé, je sais pas. J'ai pas été patient. Merci d'avoir bougé pour me laisser de la place. Ah, j'ai bossé chez les cours, hein, j'arrive à te les... Réfléchissez 2 minutes. C'est vraiment une forêt où il y a des trucs, des mécanismes avec dans les arbres, des plateformes comme ça et des planches de bois qui bougent de gauche à droite. Oh, je me suis pour la première fois par cette merde. Et j'enchaîne les défaites, voilà, ça y est. C'est fini, c'est trop dur. Ah oui, mais si tu multiplies aussi les dangers... C'est bien qu'il monte la difficulté, que vraiment petit à petit, pour nous apprendre à enchaîner les actions. Qu'est-ce que j'ai gagné là? No ID, no fucking ID. Est-ce que je vais tomber sur un boss à la fin de ce truc? Allez, plus vite, Koopa. Ça c'est au cas où je dois reprendre un point de vie. Je vais regarder si ça me donne... Ah mais je m'accroche pas, vous voyez quand les murs sont cassés, brisés comme ça. C'est pour me faire utiliser le saut. Ouais, j'ai eu l'impression que ça me donne... J'ai pas fait attention aux chiffres. C'est pas indispensable de péter tous les ennemis, j'ai l'impression. Tu gagnes pas forcément plus de points ou quoi. Ah, mais après, quand j'aurai débloqué le fait justement, en les tapant, de débloquer des cristaux. Parce que là, c'est vrai que c'est pas utile à bloc. C'est considéré comme passage secret en bas ou pas? C'est un point de sauvegarde de la mort. Qui a construit ça? Ou est-ce que c'est juste un raccourci? Oh, c'est quoi ça? Un trigant, une sorte de triforce verte dans un cercle. Qu'est-ce que je vais gagner? Un pouvoir. Oh, le marchand qui se téléporte. Eh bien, t'es du genre à sortir des sentiers battus, si on dirait. Il est surpris que quelqu'un touche à sa demande de téléportation de vendeur. Mais c'est toi qui l'as installé là? Pourquoi t'étais surpris que quelqu'un l'utilise? C'était quoi ce gros machin vert? Tu ne connais pas la couleur de ma peau. Tu veux parler de ce que tu viens de casser au lieu de le récupérer? Il s'agit d'un sceau de pouvoir. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ignore à quoi ils servent. Tu ignores à quoi ils servent? Je sais que les trouver est facultatif, mais si tu apprécies le frisson du défi, je te conseille d'ouvrir l'œil pour trouver les salles secrètes. Donc c'est une salle secrète et je sais pas si c'est utile pour le jeu en cours ou pour des missions bonus ou autre. Tu parviendras peut-être ainsi à débloquer une amélioration surpuissante ou pas. En attendant, si on cherche, je serai dans ma boutique. Eh oui. Donc salle secrète. Il y a des pierres qu'on peut casser en bas là en dessous, le moi. Mais, comme vous le voyez, je ne peux pas les taper, c'est très frustrant. Ouais, je suis très surpris. Est-ce qu'on pourra y revenir plus tard ou est-ce que c'est juste qu'ils ont mis... Hey, mort! Non, en fait, je voulais vous montrer comment on meurt dans le jeu. C'est pour ça, c'est pas fait exprès. Hein. Oh, un nouveau client. Ah, c'est un petit diablotin mignon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien cru que j'étais mort.
Mais comment je peux le faire parler, on s'en fout. Si on veut chipoter, tu étais mort. Quoi? Comment ça? Je m'appelle Quasimodo. Oh non, je lui donne une voix gaie. Quasimodo? À ton service, je suis celui que tu n'aurais jamais rencontré si tu avais eu un minimum de talent. Connard. Pour faire bref, j'ai une bague magique qui me permet de contrôler l'espace et le temps. Alors quand tu es sur le point de mourir, j'apparais pour arrêter tout. Pour tout arrêter, moi, j'aurais mis. Et te téléporter au dernier point de passage. C'est trop beau pour être vrai, il est où le piège? D'abord, ça va te faire un mal de chien à chaque fois. Ensuite, je ne travaille pas pour la gloire. Je noterai tes dettes dans un petit carnet, et quand tu revivras, je te suivrai à la trace pour te délester du butin que tu trouveras jusqu'à ce qu'on soit quitte. Salaud! Je peux aussi te laisser mourir si tu préfères. Je vois, on est d'accord. Je suis content qu'on se comprenne, toi et moi. C'est bon, tu peux reprendre ton aventure. Il va prendre tout mon butin pendant un moment, ce connard. Chien galeux. Ouais, donc mourir coûte quelque chose et c'est normal. Salaud. Ah ouais, y a rien du tout qui se rajoute en haut. Ok. Ben au moins, ça vous aura fait découvrir cette mécanique de gameplay. C'est bon, t'en as pas marre de me suivre? Ah non, j'ai eu peur. Enfin, j'étais content. Il est parti là, non? J'ai voulu faire un truc, ça n'a pas marché. Je suis naze. Ouais. Donnez-moi de la vie, s'il vous plaît, ouf, ta sauvegarde. C'est aussi un... Ouais, c'est un truc pour le marchand, aussi. Besoin de quelque chose? Oui, bien sûr, besoin de quelque chose. Ah, je peux pas améliorer ça encore? Ça coûte 200. Je peux attaquer les projectiles ennemis, ça me plaît beaucoup. Et effectuer un saut du nuage sur eux. Ah oui, c'est vrai, le truc qui fait rebondir. Ok. Ah, je peux encore acheter des trucs. Appuyez sur A quand vous êtes repoussé pour effectuer un saut d'esquive aérienne. J'ai rien compris. Des fois, on est repoussé. Je vais d'abord acheter ça. Attaque à distance avec Y. Et je suis content. Besoin de quelque chose? Discuter. À propos de quoi? Ah mince. Ah, il dit que je suis presque au sommet de la première région. Et il y a un boss, un monstre feuillu qui garde la sortie. En effet, vous avez oublié de me dire ça. Tu voyais ta tête, mais t'inquiète pas, cher aventurier, pardon. Les monstres feuillus ne sortent qu'à la pleine lune. J'ai oublié de parler comme lui. Quoi, c'est pas la, c'est la pleine lune? Oui. Voilà qui est bien bonne chance alors. Griffe de grimpeur, boss de niveau, retour. Donc maintenant je peux. Regardez. Oh, j'en ai que 3 en haut en bleu, je les ai lancés. Je n'en ai plus, mais ça revient tous les combien. Quel est ce gros coffre? Il est apparu quand tu as brisé ton premier saut du pouvoir. Et alors? Tu dois encore briser 44 sauts du pouvoir pour l'ouvrir. Bon, ben c'est pas dans cette vidéo que je le ferai. Donc les shurikens y reviennent quand? Oh, il est là le monstre feuillu et j'ai plus de shuriken. Ah, bon, c'est un tas de feuilles pour l'instant. Il va être gros. On croit pas qu'il va être gros, mais il va être gros. Bon, je connais pas, donc on va voir. Hop là, bien entendu. Oh! Salaud. Est-ce que je réussirai du premier coup? Rien n'est moins sûr. Wow, ça va vite. Ça va quand même très vite. Descends, t'es trop lent. Bon, il était pas dur, j'avoue. Il était pas dur. Qu'est-ce qu'on gagne après un boss d'ailleurs, à part l'ouverture? Rien! Mais c'est un demi-boss ton truc! Ah, ça y est, le sommet de la montagne. Je sais pas ce qui va se passer maintenant.
Temple de la Mélancolie. Ça y est, j'ai changé de zone. Eh bien, c'est sur ces bonnes paroles, avec un décor assez beau, que je vais vous quitter. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous donnera envie de jouer au jeu, de l'essayer, bien entendu. Moi, je fais que genre 15-20 minutes de vidéo de présentation, mais ce genre de jeu, il y aura de plus en plus de techniques. Vous avez vu l'arbre de croix, l'arbre de talent, et les mondes vont être de plus en plus variés, les ennemis, les difficultés, toutes les situations rencontrées. Donc n'hésitez pas, si ce genre de platformer d'action vous plaît, à tester The Messenger. Je vais vous dire à la prochaine fois, mais jusque-là, ne grandissez pas, car c'est l'arnaque. Allez, ciao.